إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل dans le quatrième cours des règles du jeûne بإذن الله سبحانه وتعالى. On a déjà fait trois cours. نعم, on est toujours dans les conditions du siyam. Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui on va les terminer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on va y voir la date et on commence bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc aujourd'hui c'est dimanche 29 Sha'ban 1442 de l'Hijr, soit le 11 avril 2021 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'il faut retenir, inshallah ta'ala, du cours précédent. Tfadl Samir. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Le jeûne obligatoire est de trois catégories. A. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps, le mois de Ramadan. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause, le jeûne des expiations. C. Le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même, le jeûne du vœu. Donc, le jeûne obligatoire est de trois catégories. A, B, C. A, le jeûne dont l'obligation dépend du temps, comme par exemple le jeûne du Ramadan, il dépend seulement du Ramadan. Non, c'est quand c'est Ramadan qu'on jeûne, c'est obligatoire de jeûner. B, le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause, comme le jeûne des expiations. Non, et c'est le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même, comme le jeûne du nadr, c'est-à-dire du vœu. C'est la personne qui a rendu yani, ce jeûne obligatoire pour elle, non, parce qu'elle a fait un vœu. Non. Pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, doté de raison. Quatrièmement, capable physiquement. Cinquièmement, il faut qu'elle soit résidente. Sixièmement, exempt de tout empêchement. Donc, pour que le jeûne soit obligatoire pour une personne, il faudrait des conditions. Un musulman, l'âme, le kafir, même si Dieu ce n'est pas accepté de lui, le pubère, ce n'est pas obligé pour lui, si jeûne. Alhamdoulilah, c'est accepté, mais ce n'est pas obligé. Doté de raison, le fou, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner, et s'il jeûne, ce n'est pas accepté. Capable physiquement, celui qui, par exemple, malade, il ne peut pas jeûner, il rattrape après, ce n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Résident, celui qui est en voyage, ce n'est pas obligé de jeûner pour lui, sauf s'il veut. Sinon, il mange et il rattrape. Exemple de tout empêchement, comme la femme, par exemple, qui a les menstrues, ce n'est pas valide pour elle de jeûner bi'idhnillah ta'ala. La première condition, l'islam. Son contraire est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. Vous avez vu qu'on a cité qu'il y a six conditions pour que le jeûne soit obligé pour la personne. La première, on a dit qu'il faut que cette personne soit un musulman. Donc la première condition, c'est l'islam. Et son contraire, c'est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner, son jeûne n'est pas valide, même s'il jeûne. La deuxième condition,
la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Quand l'enfant n'est pas encore pubère, ce n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. S'il ne jeûne pas, il n'a pas de ithm, il n'a pas de péché. Toutefois, il est bien de lui recommander de jeûner pour qu'il s'y habitue. On a cité la fois passée le hadith qui a dit que yani, on prenait nos enfants avec nous à la mosquée, on leur fabriquait des jouets avec de la laine. Quand ils pleuraient de faim, bien sûr, on leur donnait yani, le jouet de laine pour jouer avec, juste pour qu'ils oublient jusqu'à ce que le soleil se couche. On prend cela que c'est bien de pousser l'enfant qui n'est pas pubère, de le pousser à jeûner, à condition que ça ne lui fasse pas trop mal, bien sûr. Et que même s'il pleure, ce n'est pas grave, on lui donne un jouet ou là, et comme ça, yani, pour qu'il s'y habitue, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La puberté survient par l'une de trois choses pour le garçon et l'une de quatre choses pour la fille, selon ce qui suit. Pour qu'on dise que quelqu'un est pubère, on voit. Si c'est un garçon, l'une des trois choses, naam, confirme cela. Si c'est une fille, l'une de quatre choses, bi'idhnillah ta'ala, suivant ce qui suit. La première chose, l'éjaculation dans le sommeil ou l'éveil. Naam, si quelqu'un ou l'enfant a fait éjaculation dans le sommeil ou l'éveil, ça veut dire qu'il est puber bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième chose, la poussée des poils. Il s'agit des poils rêches qui poussent autour de la partie génitale de l'homme et de la femme. Naam, ce n'est pas aïb que yani, la mère, par exemple, naam, regarde dans ces choses-là pour être sûr que son enfant est devenu pubère ou pas, parce que lui, peut-être qu'il ne sait pas, il ne remarque pas. Et bien sûr, c'est le ramadan, il ne va pas jeûner. Non, il ne sait pas qu'il est pubère et que c'est obligé pour lui de jeûner, et que s'il ne jeûne pas, il a de ithm. Non. La troisième chose, atteindre 15 ans. Non, si quelqu'un a atteint 15 ans, qu'il ait des poils rêches ou pas, que la fille ait des menstrues ou pas, ça veut dire yani, l'enfant est pubère. Éjaculation ou pas éjaculation, l'enfant est pubère bi'idhnillah ta'ala s'il a atteint 15 ans. On a cité le hadith d'Abdullah ibn Umar qui a dit qu'il était, il est parti avec le prophète sallam yani, pour combattre. Quand il a su qu'il avait 14 ans, il n'a pas accepté. L'année d'après, il est revenu là avec 15 ans, il l'a accepté. Naam, l'année du khandaq bi'idhnillah ta'ala. La quatrième chose, il s'agit des menstrues par rapport à la fille. Et ceci est propre à la fille. Si une fille a des menstrues, même si elle n'a pas 15 ans, même si elle n'a pas de poils, même s'il n'y a pas d'éjaculation, al-muhim, elle est devenue pubère et c'est obligé pour elle de jeûner bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, doté de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, faut qu'elle soit résidente, et sixièmement, exempt de tout empêchement. Et nous avons vu ensemble ce qui se rapporte aux trois premières conditions, c'est-à-dire, premièrement, être musulman, deuxièmement, être pubère, troisièmement, être doté de raison. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir ensemble ce qui se rapporte aux trois dernières conditions. C'est-à-dire, quatrièmement, être capable physiquement, cinquièmement, être résident, et sixième et dernière condition, être exempt de tout empêchement. La quatrième condition, être capable physiquement. Donc, on a vu que pour que le jeûne devienne obligatoire, il faudrait six conditions. Alhamdoulilah, dans les cours passés, on a vu ensemble trois conditions avec les détails. Maintenant, il nous reste trois conditions à voir et c'est ceci, bi'idhnillah ta'ala, le cours d'aujourd'hui. Donc, la quatrième condition, être capable physiquement. La quatrième condition est la capacité à jeûner et son contraire est l'incapacité. L'incapable de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de jeûner au temps de l'obligation. Et il lui est obligatoire de rattraper. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Al-Baqara, verset 184. Notre religion, alhamdoulillah, est une religion de rahma, de miséricorde, qui est descendue du tout miséricordieux, le très miséricordieux, Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait que, des fois, la personne est dans l'incapacité physiquement de jeûner. La personne est malade et ne peut jeûner. Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas. Donc, l'incapable de jeûner, il ne lui est pas obligatoire de jeûner au temps de l'obligation. Mais il lui est obligatoire de rattraper en raison du verset qu'on vient de lire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. L'incapacité est de deux sortes. Premièrement, une incapacité occasionnelle dont on espère la guérison. C'est cette sorte qui est mentionnée dans le verset précédent. Comme le malade qui attend la guérison, il lui incombe de rattraper une fois guéri. Donc, celui qui est incapable se divise en deux sortes. Il y a une incapacité occasionnelle qui est venue, a touché la personne et va s'en départir et ceci en espérant la guérison. Donc, la personne qui tombe malade et ne peut pas jeûner, mais sait que par habitude, il y a la guérison à cette maladie, comme dans le verset précédent. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange et attend la guérison. Une fois guérie, il lui incombe de rattraper les jours qu'elle a mangés. Donc, l'incapacité se divise en deux. Incapacité occasionnelle et une autre. La deuxième sorte, c'est une incapacité permanente dont on n'espère pas la guérison. Comme le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri, le vieux avancé dans l'âge qui ne peut jeûner. Il est obligatoire, en substitut du jeûne, de nourrir pour chaque jour un pauvre. 1,5 kg de riz ou lentilles ou autre. La personne elle-même, quand elle est dans l'incapacité de jeûner, elle va voir. Est-ce que son incapacité est occasionnelle ou bien son incapacité est permanente? Si c'est une maladie occasionnelle dont elle va guérir, elle mange et elle attend qu'elle guérisse et elle rattrape. Mais si elle est atteinte, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'afiya, d'une incapacité permanente, dont on n'espère pas la guérison, comme le malade dont on n'espère pas qu'il soit guéri, il y a des maladies comme ça, Allah l'afiya, et comme par exemple le vieux a avancé dans l'âge, il ne va pas revenir marche arrière et devenir jeune. Donc, il ne peut plus jeûner. Il a 80, 90 ans, il ne peut plus jeûner. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ceux qui sont dans une incapacité permanente, pour eux, il est obligatoire, on substitue du jeûne pour avoir mangé et ne pas jeûner, de nourrir pour chaque jour un pauvre. Comment le nourrir? Il y a deux ou trois façons. La façon la plus simple, c'est d'acheter 1,5 kg de riz ou de lentilles ou de semoule ou de dattes et on la donne d'après il y a 10 jours. Si on a mangé 10 jours, ça fait 1,5 kg multiplié par 10, ça fait 15 kilos. Si on a mangé 20 jours, 1,5 kg multiplié par 20 et comme ça. Ou bien, ça c'est la première sorte. La deuxième sorte, on prépare à manger à la maison et on invite des personnes. Si on a mangé, par exemple, 5 jours, il faut que 5 personnes viennent manger. Ce n'est pas obligé que ce soit à la fois. Aujourd'hui, un, demain, un, dans 3 jours, un autre. Et ce n'est pas obligé que ce soit aussi pendant le ramadan. Donc, ça, c'est la deuxième sorte. Au lieu de lui donner 1,5 kg de riz, qui est, par exemple, la chose la plus simple, c'est de préparer à la maison et de l'inviter. Et la troisième sorte, c'est de lui payer à manger dans un restaurant, par exemple. De lui payer à manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Et comme ça, on fait manger, nourrir les pauvres d'après les jours qu'on a mangé. Ça, c'est pour l'incapacité permanente. Entre dans ce dernier cas également la femme enceinte et l'allaitante.
il aurait permis de rompre le jeûne, en raison du hadith d'Anas ibn Malik al-Ka'bi, radiallahu ta'ala anhu, selon lequel le prophète alayhi salat wa salam a dit: certes, Allah azza wa jal a enlevé l'obligation aux voyageurs de la moitié de la prière. Et aux voyageurs, la femme enceinte et l'allaitante, il a enlevé l'obligation du jeûne. Sahih ibn Majah, tome 2, numéro 64. Donc, rentre dans ce dernier cas. Le dernier cas, c'est quoi? C'est l'incapacité permanente. Rentre aussi la femme enceinte et celle qui allaite. Il aurait permis de rompre le jeûne en raison du hadith d'Anas ibn Malik, selon lequel le prophète a dit: certes, Allah Azza wa Jal a enlevé l'obligation aux voyageurs de la moitié de la prière et aux voyageurs, la femme enceinte et l'allaitante. Il leur a enlevé l'obligation du jeûne. Ce n'est pas obligé pour eux et pour elles de jeûner, mais bien sûr, ils doivent rattraper. La femme enceinte et l'allaitante, si elles craignent pour leur enfant ou pour elles-mêmes, donnent en nourriture et ne rattrapent pas. C'est l'avis donné par Ibn Omar et Ibn Abbas, radiallahu anhumain. D'ailleurs, donc remarquez bien avec moi, la femme enceinte et l'allaitante, si elles craignent pour leur enfant, si elles craignent, donc ça veut dire que si elles ne craignent pas pour leur enfant ou pour elles-mêmes, elles ne peuvent pas ne pas jeûner, elles doivent jeûner, même si elle est enceinte. Et même si elle allaite, elle jeûne. Mais dans le cas où il y a crainte pour son enfant, si elle n'allaite pas, par exemple, ou si elle ne mange pas en étant enceinte, ou bien elle craint pour elle-même, c'est elle-même maintenant qui a des problèmes et des méchakides si elle ne mange pas, et aussi l'allaitante. Dans ce cas, elle mange et elle donne en nourriture et ne rattrape pas, parce que la plupart des savants disent elle rattrape. Mais certains sahaba ont dit elle ne rattrape pas, ils ont cité un hadith authentique. Et c'est aussi bien sûr l'avis de Cheikh Al-Albani rahmallahu ta'ala qui dit elle ne rattrape pas. Naam. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a dit à propos de la femme enceinte, si elle craint pour son enfant, elle rompt le jeûne et nourrit pour chaque jour un pauvre, un moud de blé. Rapporté par Al-Shafi'i dans son Musnad et jugé authentique par Al-Albani alayhi rahmatullah dans Irwa al-Ghalil. Naam. D'après Saïd ibn Jubayr, ibn Omar et ibn Abbas, la femme enceinte et l'allaitante rompent le jeûne et ne rattrapent pas. Jugé authentique par Al-Bani dans Al-Irwa, tome 4, numéro 20. Donc d'après ces trois, radiyallahu ta'ala anhum, Saïd ibn Jubayr, ibn Omar et ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum, la femme enceinte et l'allaitante rompent le jeûne et ne rattrapent pas. On a dit tout à l'heure, à condition qu'il y ait crainte pour elle ou pour son enfant. Aussi, d'après Ibn Abbas, avec la version suivante, si la femme enceinte et l'allaitante craignent pour leur enfant durant Ramadan, elles rompent le jeûne et nourrissent pour chaque jour un pauvre. Et elles ne rattrapent pas le jeûne. Entre parenthèses, le savant Cheikh Firkous, hafidhahullahu ta'ala, a dit: le bébé ne doit pas dépasser 5 mois. Si la femme craint pour l'enfant, on a dit qu'elle peut manger et rattraper. Mais quel enfant? Et quand est-ce qu'on dit de lui que c'est un enfant, ici ou pas? Cheikh Firkous, hafidhahullahu ta'ala, a dit à condition qu'il ne dépasse pas 5 mois. Pourquoi? Parce qu'après 5 mois, il peut manger. On lui donne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui prépare, je ne sais pas exactement c'est quoi, avec la semoule, je ne sais pas, il lui prépare quelque chose, il la mange normal. Donc, Yanni, elle ne craint pas pour lui. Mais 5 mois, Yanni, on descend. 3 mois, 4 mois, 2 mois, là, vraiment, Yanni, il a besoin de son lait. Il ne peut pas, Yanni, se passer du lait de sa mère. Là, elle peut manger si elle a peur pour lui et rattraper bi'idnillah azza wa jal. Comment rattraper le jeûne du mort? En fait, celui qui meurt et à qui il incombe un jeûne ne sort pas de l'une des trois catégories suivantes. Premièrement, qu'il meurt alors qu'il lui incombe un vœu. Celui-là, ses héritiers doivent jeûner à sa place. C'est la seule parole chez tous les savants. En raison de sa parole, alayhi salatu wassalam,
Celui qui meurt tandis qu'un jeune lui incombe, ses héritiers jeûnent à sa place. Si quelqu'un meurt, comment on fait par rapport au rattrapage de celui qui est mort, il n'a pas jeûné ou n'a pas jeûné quelques jours? En fait, celui qui meurt et à qui incombe un jeûne, il ne sort pas de l'une des trois catégories suivantes. La première catégorie, s'il meurt alors qu'il a des dettes de jeûne, mais des dettes faites à cause d'un vœu. Il a dit, par exemple, « Ya Allah, si vous me guérissez, je jeûne par exemple une semaine. » Et Allah Ta'ala l'a guéri, il n'a pas jeûné, il est mort. Non. Donc, on parle maintenant de celui qui est mort et il a laissé derrière lui des dettes venant d'un vœu. Celui-là, ses héritiers doivent jeûner à sa place. C'est la seule parole, c'est-à-dire les savants sont unanimes pour dire cela. À cause du hadith du prophète Sassam authentique, celui qui meurt, tandis qu'un jeûne lui est incombé, ses héritiers jeûnent à sa place. Celui qui meurt. Le prophète Hassan m'a dit ce hadith, son sabab, sa cause, c'est quoi? C'est parce qu'on lui a dit que quelqu'un a fait un vœu, et il est mort, il n'a pas jeûné. Il a dit ce hadith, il a dit celui qui meurt, tandis qu'un jeûne, c'est-à-dire de vœu, lui est incombé, alors ses héritiers jeûnent à sa place. Ses héritiers, c'est qui? Ceux qui vont l'hériter. Peut-être son épouse, si elle est vivante, son père, sa mère, ses enfants, l'un d'eux jeûne par exemple sa place. Ou bien, ils se mettent d'accord, ils disent par exemple son fils, il dit par exemple moi je jeûne 3 jours, sa fille dit par exemple moi je jeûne 2 jours, son épouse dit par exemple moi je jeûne 4 jours. Et comme ça, le mohim, ses héritiers jeûnent à sa place. Que ce soit tous, que ce soit un, le mohim, les héritiers jeûnent bi'idna azza wa jal à sa place. Même si, entre parenthèses, ce n'est pas obligatoire pour eux. C'est seulement recommandé. Car en islam, il n'y a pas quelqu'un qui fait une faute ou bien a des dettes et moi je paye à sa place. Mais comme c'est un héritier, je vais l'hériter et profiter de ce qu'il a laissé. En revanche, en moi je lui rends aussi son bien. Il est mort, il nous a laissé des biens. Et moi, donc, je dois lui rendre ce que je peux, au moins le délivrer des dettes qu'il a. Deuxième catégorie, que son excuse s'est poursuivie au rattrapage, jusqu'à mourir tout en étant incapable de rattraper son jeûne. Celui-là, il ne lui incombe rien, ni à ses héritiers, ni dans son héritage, ni jeûne, ni nourriture à donner. La deuxième sorte, c'est la sorte dans laquelle beaucoup de gens se trompent. C'est le cas où quelqu'un meurt, il avait des dettes, pas de vœux pieux, là, des dettes. Par exemple, il n'a pas jeûné, il était malade ou là. Mais sa maladie, par exemple, s'est étendue sans qu'il n'ait pu rattraper, jusqu'à mourir tout en étant incapable de rattraper son jeûne. Quelqu'un qui était malade, par exemple, pendant le ramadan ou avant, et sa maladie est restée avec lui pendant le ramadan, donc il n'a pas jeûné quelques jours ou bien tout le mois. Ensuite, après le ramadan, il était toujours malade, 15 jours, 1 mois ou 2 mois, toujours malade, et il meurt. Celui-là, beaucoup de gens croient qu'on va rattraper à sa place. On va dire qu'il n'a pas jeûné tout le mois ou alors quelques jours. Et d'autres disent non, on ne peut pas jeûner, mais on va nourrir à sa place. Alors que celui-là, il ne lui incombe rien, ni à ses héritiers, ni dans son héritage, ni jeûne, ni nourriture à donner. Pourquoi? La raison est très simple. Celui qui lui a donné la maladie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui-même, Allah azza wa jal, ne lui a pas donné l'occasion pour rattraper. Pour qu'il rattrape, il faut quoi? Il faut qu'il guérisse. Et lui, il est mort comme ça, malade, sans avoir ni l'occasion de rattraper. C'est pour ça qu'on ne va pas jeûner à sa place, et on ne va pas nourrir à sa place. Quand est-ce qu'on aurait jeûné à sa place ou nourri à sa place? Si, après que le ramadan soit terminé, Allah Azza wa Jalla l'a guéri. Un mois après, ou là, juste après le ramadan, ou là, 6 mois après, le mouhim Allah Ta'ala l'a guéri. Et quand il l'a guéri, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rattraper. Ça, sauf si sa maladie est permanente, il doit nourrir. D'accord. Mais celui-là, maintenant, en étant guéri, subhanallah l'adim, il n'a pas jeûné. Et il est mort. Donc Allah Ta'ala lui a donné l'occasion de rattraper. Et il n'a pas rattrapé. Et celui-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est celui-là qu'on va jeûner à sa place
Ou alors, s'il avait une maladie permanente et qu'il ne peut pas jeûner, alors on va nourrir à sa place, Inch'Allah ta'ala. La troisième sorte. Que son excuse ait disparu et qu'il ait eu la capacité de rattraper Ramadan, mais ne l'a pas fait jusqu'à mourir. C'est celle dont on vient de parler maintenant. Son excuse a disparu, alhamdoulilah, et il a eu la capacité de rattraper Ramadan, mais il ne l'a pas fait jusqu'à mourir. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a jugé prépondérant l'avis selon lequel ses héritiers doivent jeûner à sa place, contrairement à Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Donc ici, Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dit quoi ? Dit que ses héritiers doivent jeûner à sa place, parce que Allah Azza wa Jal l'a guéri et son excuse a disparu et il devait rattraper, ou à la rigueur, nourrir s'il ne pouvait pas rattraper, mais il ne l'a pas fait, il est mort. Donc, Cheikh Ibn al-Uthaymin dit, c'est comme dans le hadith, le premier hadith, celui qui meurt et a des dettes, ses héritiers, yani, jeûne à sa place. Il dit comme ça. Contrairement à Cheikh al-Albani qui dit jamais on ne jeûne pour quelqu'un qui est mort, jamais on ne jeûne à sa place, mais on doit nourrir à sa place. Mais la vie le plus fort, Inch'Allah ta'ala, c'est la vie de Cheikh Ibn al-Uthaymin à cause du hadith, si quelqu'un meurt et qui a des dettes, Ali sallam a dit, il n'a pas dit des dettes de vœux. Il a dit, celui qui meurt, il a des dettes, ses héritiers jeûnent pour lui. Dans sa généralité, sa globalité, naam, yani, tout jeûne rentre dans cette globalité. Bi-idnillah. La cinquième condition, la résidence. Il n'est pas obligatoire de jeûner durant Ramadan pour le voyageur. Et il lui incombe de rattraper. En raison de la parole d'Allah ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Al-Baqara, verset 184. D'après la plupart des savants, naam, que ce verset veut dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, yani, de latent, de caché, c'est quoi ? Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage et a mangé, c'est-à-dire n'a pas jeûné, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Sauf Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui a compris autre chose, il a dit non, il n'y a pas ici la phrase « et a mangé » qui est cachée. Il a dit si il y avait et à manger, Allah Ta'ala l'aurait descendu, on l'aurait lu dans le verset. Il a dit, tant qu'il n'y a pas, nous, on s'accroche, on s'agrippe à ce qui est apparent. C'est pour ça que Ibn Hazm a dit quelque chose vraiment, de ajib aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, donc, quiconque parmi les musulmans, qui soit malade ou voyageur, n'importe quelle personne qui voyage, elle doit jeûner un nombre égal au jour où elle a mangé pendant le voyage, et même si elle ne mange pas. Il a dit, quiconque voyage, il doit rattraper un nombre égal au jour où il a voyagé, parce que pendant le voyage, il doit manger. Et s'il jeûne, ce n'est pas accepté de lui. Ce n'est pas valide, il a dit. Il a dit, car Allah Ta'ala dit, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors il devra jeûner. C'est-à-dire qu'il rattrape. Sauf tous les grands savants, les autres qui ont dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'a voulu dire Allah Ta'ala. Il a voulu dire quiconque d'entre vous est malade ou en voyage et il mange, alors celui-là il devra rattraper. Mais s'il ne mange pas, il ne rattrape pas. Ibn Hazm a dit non, même s'il ne mange pas, il rattrape. Alors on va voir que les hadiths sont contre lui. Les hadiths sont contre lui, bi'idhni Azza wa Jal. Quant aux voyageurs à qui il est pénible de jeûner, il lui est obligatoire de manger et rattraper. Compte tenu du hadith, ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Maintenant, le voyageur, il y en a des sortes, au moins deux ou trois sortes. La première sorte, c'est le voyageur à qui il est difficile de jeûner. Qu'est-ce que c'est écrit ? Difficile, je ne vois pas, il y a quelqu'un qui a levé la main. Qu'est-ce que c'est écrit ? Il est pénible de jeûner. Pénible. Quant au voyageur à qui il est pénible de jeûner, celui-là, il lui est obligatoire de manger, de rattraper. Obligatoire. Pourquoi obligatoire ?
à cause du hadith, n'am, qu'a dit le hadith, lis-le. Ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. C'est un hadith authentique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était en voyage avec les compagnons, quand il s'est retourné comme ça, brusquement, il a vu quelqu'un tomber par terre, comme quelqu'un qui presque évanoui, les gens autour de lui en train de, comme on dit, ils lui mettent comme ça, pour que le vent lui arrive. Comme quand on a un éventail pareil. Voilà. Comme avec l'éventail, comme ça, il a dit, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Ils lui ont dit, il a des difficultés, il a jeûné, il a des difficultés. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage. Alors certains vont croire et prendre le hadith comme ça, par son apparence. Ils vont dire, c'est interdit de jeûner pendant le voyage. Pourquoi mon frère c'est interdit ? Je te dis, le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentre pas dans la piété. Celui qui jeûne pendant le voyage. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, mais n'oublie pas que ce hadith est descendu à cause d'une cause, a été dit à cause d'une cause. Quelle est la cause ? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, comme j'avais dit, presque évanoui, ou alors qui s'évanouissait, se réveillait. Naam. Il a dit, pourquoi ? Ils ont dit, il a jeûné. Alors il a dit, ça ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage, ça veut dire, ça ne rentre pas dans la piété, le jeûne pendant le voyage, pour quelqu'un qui est dans le cas de cette personne comme ça, qui a très mal et qui s'évanouit, mais qui veut jeûner. Non. Il a dit, c'est pour le voyageur à qui il est pénible de jeûner. Il a dit, il est obligatoire qu'il mange. Muslim a rapporté, numéro 1114, d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sortit l'année de la conquête vers la Mecque durant Ramadan. Il jeûna jusqu'à atteindre Qura' al-Ramim, un lieu situé entre la Mecque et Médine. Non. On lui dit, certes, il est devenu pénible aux gens de jeûner et ils observent ce que tu fais. Donc le prophète, alayhi salam, est sorti une fois, l'année de la conquête, vers la Mecque durant le Ramadan. Et il était en jeûne. Jusqu'à atteindre un endroit entre la Mecque et Médine, les sahabas lui ont dit, certes, il est devenu pénible aux gens de jeûner. Non, c'est difficile d'y aller. On s'efforce pour jeûner. Et les gens sont en train d'observer ce que tu fais. Non, qu'est-ce que tu le recommandes ? Non, c'est quoi la solution ? Non. Il ordonna qu'on lui amène un bol d'eau après le Asr. Il le leva jusqu'à ce que les gens le regardèrent, puis il but. Alors, quand on lui a dit, les gens, il est devenu pénible pour eux de jeûner, qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam ? Il n'a pas dit, ils doivent continuer. Non, c'est ça, ils doivent continuer, quitte à mourir. Non, il n'a pas dit ça. Alors, il ordonna qu'on lui amène un bol d'eau. Après le Asr, regardez, il ne reste pas beaucoup pour le Maghrib, c'est après le Asr. On lui ramène un bol d'eau, il se leva. Pourquoi ? Pour que les gens le voient. Non, il ne va pas le boire en cachette. Puis, il but. Il but. Naam, pourquoi ? Parce que s'il va leur dire, par exemple, « Naam, on m'a rapporté que vous avez des difficultés à jeûner. Vous pouvez boire. Ou alors vous avez des difficultés par rapport à la soif. Buvez, il n'y a pas de problème. Personne ne boirait. » Ils vont dire, « Il nous a dit de boire, certes, mais lui, pourquoi il n'a pas bu ?» C'est pour ça que quand il boit, lui, khlas, naam, le prophète, alayhi sallam, boit et nous, on ne boit pas. C'est pour ça qu'une fois le prophète, alayhi sallam, dans le Hudaybiyah, ce qui s'est passé, il y a l'acte avec le Hudaybiyah, le pacte de Hudaybiyah avec les kuffars, naam. Et quand il est rentré dans sa tente, naam, et il a décidé, il a dit aux sahaba, vous pouvez vous raser, naam, rasez-vous, personne ne s'est rasé. Il s'est mis en colère, il a dit la deuxième fois, rasez vos têtes ou vos cheveux, ils ne l'ont pas fait. Il est rentré dans sa tente, vraiment, vraiment, en colère. Ensuite, je pense que c'est Salama, radiallahu ta'ala anha, lui a dit, c'est simple, rase-toi, toi le premier, ensuite, Allah donnera la solution. Il est sorti et il s'est assis sur une chaise, il a appelé le coiffeur et il a commencé à lui raser. Ensuite, les gens ont commencé à se bagarrer qui se rase le premier. Donc, quand les gens voient
la personne et la prennent comme modèle, ce n'est pas comme ils entendent, c'est tout. Mais ils voient. Naam, naam. Lui, il est en train de se raser. Lui, il est en train de boire ici. C'est pour ça qu'il a été rapporté dans les livres, dans Mujmu' al-Fatawa de Cheikh Islam Taymiyyah, quand il a demandé aux gens, naam, en son temps, yani aux guerriers, de combattre les Tatars. Et naam, quand ils sont partis combattre les Tatars, subhanallah l'azim, il est arrivé un moment où il a senti que vraiment ils avaient besoin de manger, qu'ils étaient faibles. Naam. Qu'est-ce qu'il a fait? Naam. Il a pris un morceau de pain, naam, et il a commencé à manger chez Islam Taymiyyah pendant le Ramadan. Naam. Il mange et il marche comme ça entre les rangs pour que tout le monde le voit. Naam, je suis en train de manger, je suis en train de mâcher le pain et de l'avaler. S'il va leur dire vous êtes faible, ou alors on est faible, on ne peut pas combattre ces kuffars, il vaut mieux manger pour inchallah être fort et les combattre. Tous vont dire non, ce n'est pas possible. On est pendant le Ramadan. On n'est pas nous, on est malade pour aller manger. Mais quand il le voit, lui en train de manger, lui, Cheikh Islam, le grand savant, naam, si c'était haram, il n'aurait pas mangé ce palaladim. Peut-être qu'il aurait dit, mais il n'aurait pas mangé. Mais tant qu'ils l'ont vu manger, naam, le modèle, il faut que vous sachiez c'est quoi le modèle. El-Mourim, ici, le prophète, quand on lui rapporta qu'ils avaient des difficultés à continuer le siyam, il a pris un bol d'eau et il l'a bu devant tout le monde. On lui dit, après cela, certaines personnes jeûnent encore. Il répondit alors, ceux-là sont les pécheurs, ceux-là sont les pécheurs. Hadith authentique rapporté par Muslim. Après avoir bu, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, certaines personnes jeûnent encore. Il y en a encore qui continuent à jeûner, qui n'ont pas voulu manger ou alors boire. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Ceux-là sont les pécheurs, ceux-là sont les pécheurs. Et pourtant, ils ne veulent que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils n'ont pas bu? Parce qu'ils veulent continuer le jeûne. Non, ils veulent ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui qui peut jeûner jour et nuit, à cause de toi, va boire pour te faciliter les choses, et toi maintenant, tu renverses les choses. C'est toi qui ne bois pas, et lui, il a bu. Donc toi, dans ton cœur, sans le vouloir, sans que tu le dises, tu sens que tu es mieux que lui, et plus pieux que lui. Et tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala plus que lui. Tu ne veux pas boire. Et tu veux ravir Allah azza wa jalla plus que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il ne veut pas le ravir, il a bu. Subhanallah al-Azim. Il a dit, ceux-là sont les pécheurs. Ceux-là sont les pécheurs. Non. Car les vrais, naam, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala m'auraient suivi. Ils savent que je suis moi le modèle, pas une autre personne. Et que si on veut faire concurrence dans le siyam, personne ne peut jeûner plus que moi. Mais moi j'ai bu pour vous montrer que yani, vous devez boire. Et Allah azza wa jalla aime qu'on prenne de ses rokhas, de ses permissions. Naam. Comme il aime yani, qu'on s'éloigne de ses interdits. Naam. Il a dit, ceux-là sont les pécheurs, ceux-là sont les pécheurs. Alors qu'ils ont voulu seulement continuer à jeûner. Naam. Quant à celui à qui il n'est pas pénible de jeûner pendant le voyage, les savants ont divergé dans la désignation du meilleur dans son cas, le jeûne ou la rupture. On a vu que yani, le voyageur se divise au moins en deux sortes. Celui à qui il est pénible de jeûner. Celui-là, on a dit, il doit manger. Il doit manger. Naam. Comme a dit Ali Sassalam, ça ne rentre pas dans la piété, le fait de jeûner yani, pendant le voyage. Maintenant, la deuxième sorte, celui à qui ce n'est pas pénible de jeûner. Yani, quand je voyage, c'est facile pour moi de jeûner. Est-ce que le mieux dans ce cas, c'est de jeûne ou la rupture? C'est de jeûner ou de manger? Je dis bien, je ne trouve pas de difficulté, ou du moins, je ne trouve pas de grandes difficultés quand je voyage et je jeûne. Mais est-ce que c'est mieux de jeûner ou de manger? On a vu que Ibn Hazm a dit, c'est pas seulement c'est mieux, mais c'est obligatoire de manger. Ça, c'est Ibn Hazm. Mais nous, on cherche, yani, ce que disent la plupart des savants. Cheikh Ibn Uthaymin. Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a choisi le jeûne pour les considérations suivantes. Donc, il y a une divergence en cela. Certains ont dit,
Naam, certains ont dit, il jeûne, c'est mieux, puisqu'il peut. Et d'autres ont dit, il mange, c'est mieux. Il mange, c'est mieux. Ceux qui ont dit, il mange, c'est mieux, ils ont cité quelques délits. Je n'ai pas rapporté ici leur avis, car j'ai rapporté l'avis le plus prépondérant, celui de Cheikh Ibn Uthaymeen. Parmi leurs délits, ils ont dit, parce que, yani, c'est une permission, et Allah Ta'ala aime qu'on prenne de ses permissions, alors on doit prendre ses permissions et manger, inshallah ta'ala. Mais ceux qui ont dit le mieux c'est de jeûner, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, voici leur délit, inshallah ta'ala. Premièrement, dans le Coran, sa parole ta'ala, selon une traduction du sens, mais il est mieux pour vous de jeûner. Al-Baqarah, verset 184. Donc ceux qui ont dit c'est mieux de jeûner, ils ont dit d'abord on a le Coran, délit dans le Coran, wa anta sumu khayrun lakum, mais il est mieux pour vous de jeûner, de jeûner. Tayyib, ça c'est dans le Coran. B numéro 2. Quant au hadith, le hadith de Abu Ad-Darda radiyallahu ta'ala anhu, comme dans Al-Bukhari, nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors d'un de ses voyages, durant un jour chaud, à tel point que l'homme posait sa main sur sa tête à cause de l'intensité de la chaleur. Aucun de nous n'était en état de jeûne, en dehors du prophète alayhi salatu wassalam et Ibn Rawaha. Quant au hadith, ils ont dit on a un hadith authentique dans le Bukhari, comme quoi un sahabi a dit nous sortîmes avec le messager sallallahu alayhi wasallam lors d'un de ses voyages. Lors d'un de ses voyages. Durant un jour chaud, à tel point que yani, la personne posait sa main sur sa tête pour que le soleil yani, ne frappe pas yani, la tête à cause de l'intensité de la chaleur. Le témoin du cours, aucun de nous n'était en état de jeûne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ibn Rawah. Il a dit aucun de nous n'était en état de jeûne. Tous avaient mangé ce jour-là vu la chaleur terrifiante. Et la chaleur, la canicule, naam. Il a dit, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Ibn Rawaha. Nous, c'est qui notre modèle? C'est les sahaba qui n'étaient pas en état de jeûne ou bien c'est le prophète? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment qu'il était lors de ce voyage? Il était en état de jeûne. Il a dit, naam. Le prophète, en dehors du prophète Islam et de Ibn Rawah. Il n'y avait qu'un seul sahabi qui avait jeûné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà un délit parmi les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant yani, le ramadan, quand il voyageait, il jeûnait sallallahu alayhi wa sallam. C'est quant à la raison. On va voir maintenant les délits de la raison. Premièrement, puisqu'accomplir l'adoration en son temps est prioritaire sur son accomplissement en dehors de son temps en rattrapage. Naam. Il y a une règle qui dit que faire une adoration en son temps, c'est prioritaire et c'est mieux que de la faire en dehors de son temps, c'est-à-dire de la faire en rattrapage. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous a demandé pendant le jeûne? Il nous a demandé spécialement de jeûner un mois qui s'appelle le ramadan, spécialement le ramadan, pas un autre mois. Donc, c'est mieux et prioritaire de jeûner pendant le ramadan, même si on est en voyage, et non pas de manger, ensuite rattraper en dehors de son temps. Pourquoi? Car accomplir l'adoration en son temps est prioritaire. Ils ont dit, voilà le premier délit. Deuxième délit. Puisque l'accomplir en son temps est plus proche de se libérer de la responsabilité, car aucune âme ne sait quand elle mourra. Ils disent, si la personne va jeûner pendant le voyage, pendant le ramadan, naam, alhamdoulilah, elle vient de se libérer de la responsabilité dans le cas où la personne meurt. Naam. Si la personne meurt, naam, elle a des dettes pour n'avoir pas jeûné, alors qu'elle était en voyage. Elle a des dettes si elle a mangé. Même si, bien sûr, dans la niya, elle avait yani, la niya de rattraper. Ça veut dire qu'elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché pour avoir mangé. Mais quand même, elle est morte avec des dettes. Donc moi, quand je jeûne, je me suis libéré de la responsabilité. Si je meurs, alhamdoulilah, j'avais jeûné.
Troisièmement, puisque jeûner avec les gens est plus facile que de rattraper individuellement. Troisième dalil, quand tu jeûnes avec les gens, c'est facile. Moi, alhamdoulilah, j'ai jeûné aujourd'hui, mon épouse a jeûné, les enfants ont jeûné, ma mère a jeûné, on est tous ensemble, on est joyeux, on est... Mais si jamais je mange pendant le voyage, ça veut dire ensuite j'ai des jours à rattraper. Si j'ai voyagé un mois, je rattrape un mois. Si c'est 20 jours, 20 jours. Et rattraper individuellement, ce n'est pas facile. Car les gens ne vont pas rattraper avec toi. C'est toi qui as mangé, pas eux. Donc, c'est difficile de se trouver parmi les gens de sa famille. Il y en a tout seul à jeûner. C'est pour ça que celui qui jeûne en voyage, il y en a dit « Alhamdoulilah, moi je n'ai pas de jeûne, je n'ai pas de dette. » La sixième et dernière condition, l'absence des empêchements. Ce sont les menstrues et les lochies pour la femme seulement. Il ne lui est pas obligatoire d'accomplir le jeûne en son temps. Plutôt, il ne lui est pas permis de jeûner alors qu'elle est en état de menstrues ou de lochies. En raison de la parole du prophète, alayhi salat wa salam, comme dans le Bukhari, quand les menstrues l'atteignent, ne délaisse-t-elle pas la prière et le jeûne? Voilà sa déficience dans sa religion. Donc, hadith c'est spécifique aux femmes, ce sont les menstrues et les lochies. Pour la femme seulement, c'est la femme qui a les lochies et les menstrues, pas les hommes. Donc, il ne lui est pas obligatoire d'accomplir le jeûne en son temps, même si c'est interdit. Plutôt, il ne lui est pas permis, même pas permis de jeûner, alors qu'elle est en état de menstrues ou de lochies. Sauf chez les khawarij. Les khawarij, ils demandent à la femme de jeûner, même en état de menstrues. Les khawarij d'autres fois, bien sûr. Ils disent que les menstrues ne sont pas un empêchement pour le jeûne. Il a cité le hadith de Bukhari. Quand les menstrues l'atteignent, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand les menstrues atteignent la femme, ne délaisse-t-elle pas la prière et le jeûne? Voilà sa déficience dans sa religion. Quand elle a les menstrues, donc elle délaisse la prière, elle délaisse le jeûne. Donc par rapport à celui qui n'a pas délaissé la prière et qui a jeûné, celle-là, ce qu'elle a fait, c'est un manquement. C'est un manquement et c'est une imperfection, même si elle n'a pas de ithm, elle n'a pas de péché. Mais si on va comparer, on va voir que celle qui a été pure, par exemple, et qui a prié et jeûné, son dîn est plus parfait que celle qui a mangé et n'a pas prié à cause des menstrues, même si elle n'a pas de péché. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sixième et dernière condition. Il lui est obligatoire de rattraper après Ramadan, compte tenu de la parole de Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Cela nous atteignit, entre parenthèses, les menstrues. On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière, rapportée par Muslim. Certains savants ont dit par rapport à la réponse de Aïcha, quand on lui a demandé, une femme lui a demandé pourquoi on rattrape par rapport au jeûne, mais on ne rattrape pas par rapport à la prière. Personne ne sait exactement pourquoi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un hadith ou un verset qui dit pourquoi? Il n'y a pas. C'est pour ça qu'elle a demandé à la questionneuse. Elle lui a dit, c'était Haruria, tu habites Harura. Harura, c'est connu comme c'est un fief de Khawarij. Elle lui a dit, non, je ne suis pas Haruria. Mais juste, je veux apprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Elle lui a répondu en disant que Al-Muhim, les menstrues nous atteignaient et on nous ordonnait, Allah Azza wa Jalla ou son prophète nous ordonnait de rattraper le jeûne et ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Tu veux connaître la sagesse? Voilà la sagesse. Quand Allah Ta'ala ou son prophète disent une chose, on l'applique et s'ils disent ne faites pas telle ou telle chose, on la délaisse. Voilà la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé de savoir exactement c'est quoi la sagesse. C'est pour ça que les savants disent, quand quelqu'un ne connaît pas la sagesse d'une chose, pourquoi exactement telle chose, mais tu ne connais pas la vraie sagesse, ils disent, on s'agrippe à la sagesse générale. Si on ne connaît pas la sagesse détaillée, on s'agrippe à la sagesse générale qui est quoi? Qui est l'adoration. Allah Ta'ala, on doit l'adorer et... Son prophète, on doit le suivre et il nous a ordonné, quand on a les menstrues,
نعم دو راتراپي لي جون اي نو با راتراپي لا بريير ان بوين سي تو المهم اون ا با في سا دو نو تيت سي سكو فو دير عائشه رضي الله عنها يعني اون ا با انفونتي سا دو نو تيت نعم Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On a terminé les six conditions bi'idna azzawajal. Et on va terminer, Inch'Allah Ta'ala, ce qui reste pendant les veillées du Ramadan. Inch'Allah Ta'ala, on va faire certains quiz aussi pendant les veillées. Inch'Allah Ta'ala. Si Allah azzawajal yani allonge dans notre vie. Voilà ce que j'ai voulu dire. Si j'ai dit juste, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Si j'ai dit faux, ça vient de moi et de mon jahl. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum jami'an. Les admins et les autres. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shakarallahu lakum. Amin. Jazakumullahu khayran.